on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors oui, tout de suite, j'ai une nouvelle coiffure que je me suis faite. Bref, on est à quelques minutes près. Encore vendredi... Vendredi combien? J'ai même pas mon téléphone. Ah, attendez. Avec mon calendrier dont je n'ai absolument pas tourné les pages. Vendredi 23 avril 2021. Il doit être quelque chose comme minuit moins le quart, un truc comme ça. Donc un quart d'heure après, on est encore vendredi. Oui, je vous prends que maintenant, vous avez pu voir les images, on a fait une balade aujourd'hui. Et je vais nourrir les chiens, mais vous allez voir que une petite chose qui a changé ici. Donc, je vais juste enlever ça par contre. C'est pas la joie, mais... oui, c'est bien l'emplacement où il y avait la cage de Ghibli, qui est resté mon dernier cochon d'Inde. Voici les cages, les grilles de la cage qu'il reste, tout simplement parce que Ghibli nous a quittés mercredi. Je l'ai retrouvé mort en rentrant du boulot le mercredi soir. Donc bah voilà, dernier nac, c'est fini, je n'en reprendrai plus. Il est mort tout simplement dans... Il était un peu fatigué, se cachait, il mangeait moins. Donc il s'est laissé partir. Je pense pas que la dépression était trop là, mais il devait quand même un minimum s'ennuyer, je pense. Mais voilà, il était senior tout comme Darwin, donc c'était une continuité. C'est normal qu'il soit parti environ deux mois après Darwin. Donc bah voici... il n'y a plus de cage. Je garde quand même la table en place, je vais en faire un plan de travail. Mais là, je vais nourrir les chiens et puis je vais vous expliquer 2-3 trucs après. Donc là, nourrissage des doudous. Alors, je vais essayer de me remettre toutes les idées en place de ce que j'ai à vous dire. Donc, vous avez sûrement vu que j'ai commencé le vlog par une balade en forêt, tout simplement parce que c'était l'habitude d'aller se promener vendredi après-midi. Ça fait un moment que je faisais pas ça. Ce vendredi, généralement, je me repose après le boulot. Lady ! Lady ! Ça va être insupportable. Lady, on ne te dérange pas avec tes bruits. Désolée pour le gerbotron, je comprends peut-être au montage, je sais pas. Donc, c'est pas habituel qu'on aille se promener le vendredi après-midi, mais on avait besoin de prendre l'air avec le chéri, parce que genre cette semaine, il y avait pas mal de trucs qui se passaient, et on avait besoin d'aller souffler un peu. Et donc, juste après avoir été chez le véto pour déposer le corps de Ghibli, on a été se balader en forêt, notamment parce que je souhaiterais déverser ses cendres en forêt dans un coin qui me faisait du bien. Donc on a sélectionné un coin où on ira très certainement déverser les cendres. Je ne filmerai pas spécialement parce que c'est un truc qui ne regarde que moi, où est-ce que je le ferai et voilà, et compagnie. Mais voilà, c'est ce qu'on fera. Donc le temps de récupérer les cendres chez le vétérinaire, et puis on dispersera ses cendres dans la forêt. Donc qu'est-ce que je voulais dire? C'est officiellement, j'ai pris cette décision depuis un moment déjà, c'est officiellement le dernier nac que j'aurai eu en ma possession. Notamment tout ce qui est rongeur, etc. Je ne dis pas que je ne reprendrai pas, style, je sais pas, des insectes ou quelque chose, j'en ai aucune idée, ou des poissons, j'en sais rien, mais dans l'optique actuelle, c'est absolument pas prévu ici. Je me ferme pas tout la porte, mais au niveau des rongeurs, c'est fini pour moi. Pour notamment plusieurs raisons, des remarques qu'on m'a faites. Oui, je suis pas la meilleure des mamans pour avoir des nacs. Je ne les sors pas assez, je ne suis pas assez en contact avec eux, je ne leur fais pas assez de câlins, je ne les sors pas assez de leur cage, donc j'ai essayé toutes les espèces possibles, je n'ai jamais réussi à me motiver pour. Donc je ne suis pas faite pour avoir des nacs, donc je n'en reprendrai pas. Peu importe les espèces que ce sera, au niveau lapin, cochon d'Inde, hamster, gerbille, chinchilla, furet, tout ce que tu veux, je ne reprendrai pas. Donc c'était vraiment le dernier des derniers. C'est la première fois que je prends cette décision et auquel je m'y tiens, parce que je n'ai pas du tout de projet à ce niveau-là. Sauf qu'avant, je faisais toujours ça, mon animal arrivait en fin de vie et je prévoyais déjà l'espèce que je prenais après. J'ai toujours fonctionné comme ça va être plus facile pour moi pour encaisser le deuil. D'ailleurs, le deuil de Ghibli, je le vis beaucoup mieux que celui de Darwin, parce qu'il est parti dans son sommeil, et moi, une fois que je retrouve le corps vidé de son âme, comme j'appelle ça, je n'ai plus d'attachement, en fait. Je n'ai plus de tristesse, parce qu'en fait, il est parti tranquillement. Et en fait, moi, souvent, c'est les parties euthanasiées qui me font le plus de mal, parce que l'animal n'a pas conscience de ce qui se passe, or, moi, j'en ai conscience. Là, il est parti dans son sommeil, donc pour moi, un âge normal, sans a priori de choses bizarres, ni maladie, ni souffrance ou quoi que ce soit, il est vraiment parti en tant que petit vieux, donc c'est assez rassurant. Savoir que je me note aussi cette petite chance que j'ai de partir sur mon dernier nac, paisiblement. Parce que c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de ne pas reprendre de nac, c'est que
pendant des années et des années et des années. Ça s'est toujours fini par des AVC, des tumeurs, des crises cardiaques, des souffrances incommensurables. J'ai dû les faire partir chez le vétérinaire. J'ai jamais eu un seul, quasiment un seul nac qui soit parti dans son sommeil tranquillement. Donc savoir que c'est arrivé avec Bibli, qui sera le dernier, ça m'a fait beaucoup de bien de finir sur une note comme celle-ci. Donc voilà pour la décision que j'ai prise, vous n'en verrez plus, malgré que ce soit la... Bah, vous allez le voir encore très longtemps sur la chaîne, parce que ma vidéo la plus vue de la chaîne, c'est celle avec les deux frangins. Donc elle a atteint actuellement 32 000 vues, c'est la vidéo la plus vue sur la chaîne, alors que je n'ai plus de couche en main et que je ne reprendrai pas. Donc ensuite, après, pour revenir... Je vais vous faire un petit résumé de la semaine comme je fais d'habitude. Après, je vais vous montrer d'autres trucs que j'ai reçus, etc. Au niveau de l'évolution de la santé de Lexi, il n'y a plus rien. La boule a totalement disparu. Il n'y a plus de plainte, quoi que ce soit, au niveau de la mâchoire. Je ne l'ai pas oublié. Je vais vraiment prendre rendez-vous avec l'ostéo. J'attends juste de recevoir ma paye parce que c'est pas non ultra urgent. Je devrais avoir ma paye la semaine prochaine. Après, je prends rendez-vous avec l'ostéo pour 6 sous parce qu'elle en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, en balade, plusieurs fois, je ne sais pas si elle s'est braquée émotivement ou si ça l'a troublée qu'on fasse la balade à l'envers par rapport à d'habitude. Ou je sais pas, parce qu'à un moment donné, je l'ai réprimandée verbalement parce qu'elle mangeait n'importe quoi au sol, parce qu'on s'est promené dans un coin où plein de gamins avaient lâché des BN plein de chocolat par terre. Donc je me suis fâchée pour sa santé, sauf que ça l'a marqué mentalement parce qu'elle est hypersensible. Et madame, après, n'a plus voulu avancer. Donc est-ce que c'est physiquement, mentalement qu'elle s'est braquée? Je n'en sais rien. Bref, elle doit avoir l'ostéo, ça va être fait. Donc elle n'a plus rien, j'ai fini son traitement, voilà. Par contre, mercredi, je me suis rendu compte que je n'avais pas de nouvelles du laboratoire. Donc heureusement que c'était pas une glande salivaire, parce que sinon elle aurait le temps de tripler de volume en quelques temps. Et donc je m'étonne du retard du laboratoire. Moi j'aurais pensé avoir une réponse au moins mardi. J'espère que c'était posté en urgence, parce qu'il aurait un truc hyper grave, hyper évolutif. C'était presque trop tard. Même si moi je le savais que ma chienne c'était déjà du flan, qu'elle n'avait rien, et que si ça avait été des glandes salivaires à la ponction, il y aurait eu de la salive dedans et pas deux postillons de sang. Donc oui, je regarde mes notes en même temps parce que c'est plus facile pour moi pour me rappeler. Donc après, mercredi, j'ai l'appel de la clinique vétérinaire, donc je dis ça y est, ils ont les analyses. Non madame, je vous appelle parce que le laboratoire d'analyse nous a appelé parce qu'ils n'ont pas reçu le formulaire et le chèque, pourtant on est sûr de l'avoir envoyé. Ok, on continue. On a vu avec eux, donc ils vont vous envoyer la facture par mail. Je vous jure qu'elle part comme ça au téléphone. On va vous envoyer la facture par mail et si jamais ils retrouvent le chèque, ils ne peuvent pas faire de doublon, donc il ne sera pas encaissé, ne vous inquiétez pas. Ok, ok, moi je veux pas non plus m'en prendre à l'ASV, machin. Ok, ok, bah c'est pas grave, on se débrouillera, je vais payer, etc. Merci de votre compréhension, merci de votre compréhension. J'étais au taf, j'avais pas que ça à foutre non plus de passer mon temps au téléphone. Donc je reçois la facture par mail, sachant que j'avais envoyé un chèque de 50 euros, comme je vous l'avais dit. Et là, je reçois la facture de l'analyse qui me demande 62 euros. 50, 62, 50, 62, il n'y a pas 12 euros d'écart là. Donc je leur envoie un mail en demandant si c'était possible d'annuler l'analyse parce que mon chien était en très bonne santé et que maintenant c'était trop tard, je m'en foutais de l'avoir parce que ça ne m'intéressait plus. D'ailleurs, j'aurais pas dû me borner vendredi, j'aurais même pas dû aller déposer ce putain de chèque parce que pour un égo surdimensionné que j'ai. Lexi, la gamelle de Kitty, s'il te plaît, tu laisses. Quelle voleuse celle-là. Je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai voulu confirmer qu'il y avait zéro dans les analyses et finalement, en fait, ça ne servira à rien. Donc, j'ai demandé l'annulation et tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont validé de me... Enfin, apparemment, ils m'ont laissé un message sur mon téléphone. C'est mon chéri qui m'a dit ça tout à l'heure, parce qu'en fait, j'ai eu un 01 qui m'appelle, je ne sais même pas qui c'était. Et en fait, c'était pour me dire que trop tard, les analyses avaient été faites et que le chèque ne serait pas réencaissé, machin, ils n'ont rien compris à mon mail. Mais bref, ils m'ont renvoyé une facture qui repasse de 62 à 50 euros en enlevant les 12 euros de frais de dossier. Donc, au départ, je me suis dit que j'allais pas payer parce que j'avais un peu les nerfs. Je vais payer, ils ont quand même fait leur travail, c'est pas de leur faute, ils ont fait l'analyse, machin. Après les papiers, je suis quasiment sûre que c'est la clinique qui les a perdus, et certainement pas eux, parce que vu comment ils étaient organisés la dernière fois que j'y suis allée, je pense pas que ce soit l'analyse qui soit en cause. Donc déjà, il y a ça, puis le soir, je vois que Darwin n'était plus là, donc... Et depuis, bah, il y a Clinique Veto qui essaye de m'appeler, et je ne leur réponds pas, je ne leur répondrai pas, je m'en fous maintenant, de toute façon ma chaîne est en très bonne santé, et je ne veux plus entendre parler de cette clinique de merde sur laquelle je vais mettre une mauvaise note au niveau Google. Je vais pas citer de nom parce que je vais pas être balancée pour diffamation, mais je suis vraiment pas contente. Alors si jamais vous me demandez en MP
Je vous dirai peut-être, mais je ne peux pas le dire publiquement parce que ça peut vite se retourner contre en diffamation. Je pourrais avoir un procès pour ça, donc je préfère ne rien dire. Mais voilà, j'en suis pas très contente, quoi. Bref, ça. Et puis l'autre jour, j'ai marché sur un truc, un petit caillou par terre, et je me suis dit, mais c'est quoi comme petit caillou? Je vais essayer de vous montrer si vous pouvez le voir mieux que ça. Et en fait, j'ai trouvé ceci au sol. Alors, c'est dans un très mauvais état. On remercie le chien qui n'est plus au barf. Parce que vous allez le voir, mais je manque cruellement de lumière. Ça va pas vouloir. Voilà, c'est une dent dégueulasse, pleine de tartre, de Kitty, encore avec les racines. Alors, il n'y a que Kitty qui peut avoir ses dents dans cet état-là. Hein. Donc, même malgré le détartarage et qu'elle a été au barf, repassage aux croquettes et à la pâtée, vous voyez l'état que ça fait sur les dents. Mais à part ça, c'est dégueulasse le barf et il vaut mieux donner des croquettes. Hein. Dixit, levez-toi. Je critique pas si vous donnez des croquettes à votre chien, ce que vous voulez. Mais avec toi qui me dit qu'un chien en barf est en mauvaise santé, on regarde l'état des dents des chiens qui mangent des croquettes et de la pâtée de merde. Bref, donc on a une petite dent qu'on va rajouter dans ma petite boîte de collection. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, ce bureau-là va se transformer en bureau. Alors oui, j'avais prévu d'acheter une autre table, et bah finalement, bah ça se retrouve que bah le destin l'a voulu autrement. Je vais pas racheter d'autres tables, et cette table-là va rester en place. Donc c'est celle qui se cachait en dessous, la cage de Ghibli, les deux chonchons. Donc c'est bon, elle est en bon état, juste un endroit où il y avait eu du pipi qui avait un peu coulé, donc il faut que je trouve un truc pour le nettoyer à fond. Mais j'ai gardé les grilles de la cavicage, puisque l'avantage c'est que ces grilles-là, c'est des grilles qu'on peut trouver chez des meubles à chaussures ou quoi que ce soit, et je vais vous faire un DIY avec ça, parce qu'en fait je vais l'accrocher, je sais pas encore si, je pense pas que ce soit sur ce mur là, je vais plus le mettre ici pour y fixer mes colliers. Donc il faut que je voie une bonne méthode pour les fixer, donc je vous ferai un tuto. Et en fait cette table là me servira à filmer tout ce qui est tuto en fait. Après j'ai commandé ce qu'il faut sur AliExpress, que je vous montrerai au fur et à mesure, et j'ai commandé tout un set pour réorganiser cet espace là, pour qu'il soit pas en bordel comme là tout de suite, mais il faut que j'organise la chose. Mais le plus rangé possible, afin que j'ai un coin dégagé pour découper ma couture, pour avoir un espace où quand je commence un diamond painting, il peut rester en place sans que je bouge les 30 secondes, pour les trucs qui soient fixes, pour faire un stand photo, parce qu'en fait je compte mettre mon drap de photo ici, et comme ça je pourrais autant prendre les chiens. Il faut que je trouve, parce qu'en plus l'avantage c'est que c'est une table en verre. Donc même si je mets par exemple, pour éviter que le tissu glisse ou quoi que ce soit, en dessous je vais prendre un truc en silicone ou un truc en tout cas qui grippe bien pour pas que le chien glisse sur la table, et je pourrais avoir une session photo à hauteur avec, je vais acheter des fonds photos que je pourrais dérouler au-dessus, donc ça va être cool. Donc cet emplacement va être réutilisé, mais je ne l'enlève absolument pas. Et je me suis dit, racheter un bureau ça sert à rien, c'est la taille d'une table à manger standard, donc autant que je rachète ça. Donc voilà, j'ai commencé à mettre mon diamond painting qui sera là. Il y a quand même la partie des quelques affaires des loulous. J'ai acheté un porte-magazine pour mes vidéos que j'ai à tourner. Ça, faut que je le range parce que ça m'embête de le jeter. Si jamais quelqu'un voudrait le récupérer, j'ai un tapis de jeu en tissu. Un tapis de jeu en tissu, je l'ai gagné à un concours, donc je vais pas le revendre. Il est pas dans le meilleur des états, faudrait le laver. Mais les cochonnades sont très peu servies. Peut-être que ça peut servir aussi pour quelqu'un qui a des chats ou un furet ou ce type d'animaux, des rats. Et en fait, c'est tout simplement une espèce de tapis de fouille géant, un plateau de jeu en tissu. Et je me laisse quelques jours pour savoir ce que j'en fais. Mais sinon, vous me réglez juste les frais de port. Je pense pas qu'il y en ait pour très cher, moins de 10 euros de frais de port, ça c'est clair. Et je vous envoie toujours des cadeaux en bonus si jamais vous avez d'autres animaux. Mais si jamais ça vous voulez récupérer, d'ici une semaine, je m'en débarrasse. Donc je le mets là de côté. Et puis comme ça, ça va pouvoir aller dans la caisse là qui va se libérer. Et puis on va être. Bref, on va être pas mal. Donc au niveau des réceptions que j'ai fait aujourd'hui, j'ai commandé hier, mais elle est déjà arrivée, parce que forcément quand tu commandes via Amazon. Mais je commande pas tout sur Amazon parce que voilà, tous les sets que j'ai commandés pour le bureau sur Amazon, j'en ai. Enfin sur AliExpress, ça m'aurait coûté trop cher sur Amazon. Donc j'ai reçu cette petite lampe là, parce qu'il me fallait absolument une lampe de bureau, parce qu'ici niveau éclairage, alors que c'est des tutos que j'ai filmés, j'ai rien. Et donc j'ai commandé cette petite lampe là, qui, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez l'acheter. Et si jamais vous la commandez via mon lien, je toucherai un peu d'argent dessus. Donc c'est de la marque Suki, elle a l'air pas mal, elle est très sensible par contre. Donc il y a un petit câble, il faut que je me mette une prise. Je sais pas si j'ai une prise là-bas au fond. Il faut que je trouve un adaptateur, un bloc pour les USB. Et en fait, c'est une ring light. Et en fait, elle est sensitive
Hop. Et en fait, vous avez plusieurs types. Alors moi, j'ai pas encore tout essayé. Donc là, c'est la couleur chaude, vous vous en rendez pas forcément compte. Couleur mix, je crois, celle-là. Et là, on doit avoir la froide. Ah non, ça c'est la mix. Bref, vous avez trois types et vous avez aussi une évolution d'intensité. Si mon chéri m'a bien expliqué, faut que je vois ça. Ouais, c'est ça. On peut baisser un peu. Et ça peut varier en réaugmentant. Ouais, faut que je la rallume. Donc voilà. Et ici, on peut mettre soit des stylos, soit poser le téléphone. Elle m'a coûté 15€ et je pense que voilà. Pour l'éclairage qu'elle fait par rapport au bureau, je pense que ça peut être sympa. Notamment quand je fais des diamond painting et j'ai besoin d'un peu de précision. Il y a les transportables, les rechargeables, il y a différents types de luminosité entre... Ça, c'est plus intéressant pour filmer des tutos bien clairs. Et je vais mettre l'autre. Et celle-là, ça, c'est beaucoup plus reposant pour les yeux, mais c'est pas filmable en couleur chaude. Donc super intéressante. Hop. Et autre truc que j'ai reçu aujourd'hui, que j'avais commandé. Donc faut que je fasse les photos, faut que je fasse la vidéo. Et je sais pas si je vais attendre de recommander un peu plus, de passer une plus grosse commande pour le faire. Mais j'ai commandé chez Canicode. Alors je sais pas si vous connaissez, moi ça fait depuis des années que je connaissais. Mais j'avais pas d'occasion réelle de passer commande. Donc, je vais vous poser vite fait. Hop là. Petit unboxing. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'ai même pas tout sorti d'avance? Donc, de genre, déjà on a la petite pub pour les Canicode. Je sais pas si vous vous connaissez. Donc on a Canicode qui est là. Et la pub pour Humanimal. Et puis donc en fait ce sont simplement des stickers à messages que vous mettez sur vos laisses, les harnais, les colliers de vos loulous. Et il y a plein de messages avec des codes couleurs si c'est préventif, si c'est au niveau de la santé, si c'est au niveau... Voilà, elle a tout un schéma, mais ça je l'expliquerai dans ma vidéo spéciale de la deuxième chaîne. Et en fait moi j'en ai pris deux, donc c'est pour les petits mecs. Que je vais me pousser pour que vous voyez bien. D'ailleurs on va même en profiter pour utiliser la lumière. Hop. Voilà. Alors... Donc en premier, donc jusque là j'avais pas trop commandé parce qu'en fait j'avais pas de particularité vis-à-vis de mes chiens, je m'en fous que les gens les touchent, ils ont pas en convalescence, ils avaient pas de trucs spécifiques, sauf qu'avec les deux mecs j'ai rencontré quelques difficultés, particularités, et comme je vous ai dit, Yann Mori, j'ai découvert qu'il attaquait pas mal de chiens une période, et en fait je me suis rendu compte qu'il était réactif, principalement mâle, vis-à-vis des filles, donc je lui ai pris ça pour que les gens se méfient, parce que moi j'ai pas toujours facile, surtout quand on a affaire à des huskies, des akita ou des gros chiens poilu, je vois pas tout de suite s'il a un kiki ou pas, donc je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, donc comme ça si les gens pouvaient se méfier un peu plus en voyant ça, si jamais j'ai pas le temps de rattraper Amaury ou quoi que ce soit, Amaury n'attaque pas forcément et ne mord pas, mais il peut gueuler très fort et ça pourrait expliquer cela, donc si eux aussi ont un mâle réactif en face, c'est plus facile qu'ils me communiquent. Donc ça c'est pour Amaury, pour voilà, donc spécifier en balade pour quelqu'un qui a un mâle ne s'approche pas parce qu'Amaury potentiellement peut être pas du tout content. Donc voilà, c'est ce système là, et en fait c'est un système de scratch. Deux scratchs qui s'ouvrent en deux, qui sont reliés au milieu. Et en fait, vous pincez votre harnais, votre laisse ou votre collier, et après vous refermez. Et c'est des deux côtés comme ça. Donc je sais qu'il y a plusieurs langues qui sont possibles. Donc même si vous allez à l'étranger, que vous voulez en utiliser, par exemple si vous partez en vacances en Espagne ou ailleurs, c'est possible. Elle le fait aussi dans plusieurs langues. Et je vous dis tout ça, je vous ferai une vidéo spéciale, là, je vous fais vraiment l'unboxing de ce que j'ai reçu. Et le deuxième, on a pris celui-ci. Alors pourquoi celui-ci? Vous allez me dire, parce que bah, dire qu'un chien il est sympa, c'est cool, mais ça sert à rien. Bah détroupez-vous, notamment pour ceux qui ont des gros chiens, qui ont des molosses, qui sont hyper sociables. On a le problème, parce que c'est pas un problème en soi, de Skull, comme je vous disais, qui est un bulldog. Et le problème du bulldog, c'est qu'il est... hyper sociable et hyper câlin en fait, et le problème c'est qu'ils plus d'une fois ils foncent sur les gens, nous forcément on crie un peu fort pour l'interpeller, et je me dis que potentiellement ça peut faire peur aux gens. À vos places, ça piétine, on n'entend plus rien. Ça peut faire peur aux gens de voir une boule derrière qui les maîtres crient, parce qu'ils disent ça se trouve ils crient parce que le chien est méchant et qu'il faut vite qu'il le rattrape, alors qu'en fait non, on interpelle le chien pour pas qu'il aille sauter sur les gens, qu'il ne leur fasse pas peur, etc. Donc on s'est dit qu'en mettant un patch comme ça, si jamais les gens veulent l'attraper ou si jamais il vient leur faire, généralement ils sautent pas sur les gens, mais on voulait mettre quand même un sticker auprès des gens pour qu'ils se rassurent tout de suite, que même si, parce qu'en fait c'est qu'un bulldog mais il fait quand même 16 kilos et certaines personnes ont très peur des faces plates. Donc je me suis dit que de mettre un scratch comme ça, ça éviterait que des gens, par peur, lui mettent un coup, ou se mettent à paniquer pour rien, ou se mettent à fuir alors que ce serait débile. Je veux vraiment que tout de suite, le côté, c'est un chien où ils auront zéro problème. Tout ce qu'il faut faire attention, c'est que
ils se prennent pas un coup de boule s'ils veulent faire un câlin et qu'ils n'essayent pas de leur prendre la nourriture des mains, mais à part ça, il n'y a pas de souci. Donc je me suis dit que c'était très intéressant de le prendre. En plus, il est en vert, alors comme le chéri est à fond de la team vert, c'est génial. Mais comme vous voyez, donc le code couleur, vous n'avez pas le choix de la couleur. Donc ça, c'est tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est sans danger, positif, pas de souci. Celui-là, c'est le jaune, forcément, c'est faites attention, il y a des choses à respecter au niveau du chien. Donc il y en a d'autres, il y a aussi chien à adopter, il y a chien en convalescence, chien en apprentissage, ne pas me toucher, je suis timide, il y en a même certains personnalisés, vous pouvez écrire dessus, je suis pucé, voilà, vous avez plein de trucs, mais comme je vous dis, je ferai une vidéo spéciale. Donc voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Celui-là est en promo, il était à 6,50, celui-là était à 7,50 si je ne me trompe pas, ils sont faits en France. Je l'ai reçu en... moins d'une semaine, je sais pas exactement quand est-ce que je l'ai commandé, mais ça a été très 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 rapide. Franchement, c'est vachement cool, donc c'est super quali, c'est fait pour, ça peut aller dans l'eau, ça peut, même si votre chien il se roule et qu'il se balade avec, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, l'avantage c'est que moi je voulais pas mettre forcément de dossard, mais dans certains cas où on se balade, je trouve que ce sera bien pratique et les gens peuvent le lire d'assez loin en fait, ils sont assez gros, parce que forcément si c'est plus petit, comme je disais à mon chéri l'autre jour, ce serait un peu dommage, c'est que tu mettes dessus n'aime pas forcément les gens ou est très timide, mais que le truc il s'écrit en tout petit et que les gens doivent s'approcher à 2 cm de sa tronche pour voir ce qu'il écrit. Contre-productif. Mais alors que là, on distingue bien quoi. Donc voilà, pour la petite réception du jour. Donc voilà pour le petit résumé du vendredi, tout ce que j'ai à en dire actuellement. Voilà, c'est un vendredi où je résume. Ce soir, donc, on a mangé saucisson comme d'habitude. J'ai été faire quelques courses, donc j'ai racheté de la pâtée pour Kitty. Donc, ce coup-ci, j'ai pas encore pris les Edgar Cooper. Faut que je commande le gros pack Edgar Cooper. Mais en attendant, je lui ai repris les schémas parce que j'avais un code promo la dernière fois. Ah oui, comme je vous ai dit, j'ai fait un craquage au niveau coiffure. J'avais envie parce que bah, mes cheveux se mettent naturellement avec la remue. Il fallait que je fasse quelque chose parce que le côté un peu trop. Un peu trop strict, ça ne m'allait pas. J'ai voulu faire une frange rideau, ça n'a pas fonctionné. J'ai voulu faire une frange droite, ça a fini en frange rideau. Mais je vous ferai bientôt des tutos et... pas des conseils tutos, mais de la manière de ma routine cheveux. Comment je gère pour faire mes couleurs, comment je fais mes décorations, le temps entre chaque truc, les produits que j'utilise. Comment je me coupe les cheveux, ou en tout cas comment je me suis fait certaines coupes de cheveux. Parce qu'il y en a d'autres que je ne fais plus, je vous expliquerai bientôt pourquoi. Notamment les dégradés, parce que je ne peux plus faire de tresses, sinon ça part en cacahuète. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il y a à en dire de plus. Ouais, on a eu des nouvelles encore de la Woofrun, ça va être à mon avis un week-end de folie. Potentiellement, je pense qu'ils vont faire piller les entrées parce qu'ils avaient l'air d'un signe dans la partie FAQ du site. Ce qui serait pas étonnant parce que s'il n'y a pas la Royal Jump, il faut bien que le domaine il compense un peu la perte de tout ce qui est location et compagnie de son château. Mais bon, si l'événement est aussi ouf que chaque année, que ça se passe sur 2 jours, je trouve que ça serait intéressant quand même de payer l'entrée. Ça ne me dérangerait pas personnellement de le payer. Même si moi je pense participer à la course, et généralement quand tu participes à la course, tu ne payes pas ton entrée. Ce qui incite d'autant plus les gens à participer également. Donc on attend que ça, qu'il y ait la billetterie qui sorte, et je vais prendre 2 billets. En espérant que Alexis me fasse pas ce qu'elle m'a fait aujourd'hui au niveau de la marche, parce que sinon on va pas forcément rigoler, hein, si elle me fait encore des pauses comme ceci. Mais bon, je respecterai, si ça lui plaît pas, ça lui plaît pas, on arrête en cours de route et puis c'est tout. On ira quand même récupérer la médaille. Donc voilà, pour le résumé, moi je mets sur le PC parce que j'ai le podcast demain matin à monter. Faut que je vois pour faire du montage vidéo, enfin après faut que je gère toutes mes vidéos, les vidéos d'Hugo Décrypte pour l'analyse des infos du jour, parce qu'en plus j'ai loupé, non les infos de Jean Castex je les ai eues l'autre jour. Bref, ça se goupille comme ça. Donc voilà pour les petites nouvelles, ce que je vous ai montré, tout ce que j'ai reçu. Je crois pas que j'ai reçu autre chose cette semaine. Non, je crois pas que j'ai rien, je dois pas avoir reçu autre chose. En tout cas demain il va falloir absolument que je sorte du tournage parce que c'est le bordel. Bref, de toute façon, je vais couper là, ça sert à que je fasse pause, je vais vraiment couper. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog du vendredi à l'arrache, comme d'habitude, vous aura plu. C'est que n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. N'hésitez pas non plus à souscrire à un abonnement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.